Michaela Hart est née le 31 décembre 1983 de Mickey et de Marianne Hart. Elle a trois frères, c'est donc la seule fille de la famille. Elle est originaire du comté de Tyrone en Irlande du Nord. Elle est professeure de langue irlandaise à l'Académie Saint-Patrick à Dungannon. C'est d'ailleurs une excellente enseignante. Elle est aussi très croyante, c'est une catholique très dévouée, c'est une militante engagée contre l'abus d'alcool. Elle fait partie d'une association pour les abstinents catholiques et dans le cadre de cette association, eh bien, elle donne des conférences pour venir en aide et encourager les jeunes à s'abstenir de boire de l'alcool. Donc, Michaela, dans la communauté, est une jeune femme très respectée. Et concernant son père, Mickey Hart, eh bien c'est un célèbre entraîneur de l'équipe de football irlandaise, la Gaelic Athletic Association de Tyrone. Michaela est évidemment la première et la plus grande fan de son père. Elle l'accompagne vraiment partout à tous les matchs de Tyrone. Et Michaela rencontre son mari John en 2005 à l'université. Ils se mettent alors tout de suite en couple, puis c'est le 30 décembre 2010, donc 5 ans plus tard, qu'ils se marient. Michaela Hart, alors âgée de 27 ans, épouse ce jour-là John McAweevy. Et pour l'occasion, plus de 300 personnes sont réunies au Slieve Russell Hotel à Cavan. Puis le lendemain, le 31 décembre, c'est l'anniversaire de Michaela. Et le 1er janvier 2011, les jeunes mariés s'envolent pour Dubaï pour la première étape de leur lune de miel et ils y restent 7 jours. Et ils y passent des moments vraiment incroyables. Et ce n'est que la première étape car ce n'est pas la destination finale de leur lune de miel. Et non, car 7 jours plus tard, donc le 8 janvier 2011, le couple quitte Dubaï et s'envole cette fois pour l'île Maurice, leur dernière destination. Et une fois à l'aéroport international Sir Siwosagur, donc à Maurice, ils sont conduits à l'hôtel 5 étoiles, légende hôtel, dans la ville de Grangob, au nord de l'île. Ils ont réservé pour le forfait tout compris, donc c'est-à-dire repas compris, activités, etc. Et ils ont séjourné dans une chambre de luxe, la chambre 1025. Puis, nous voilà deux jours plus tard, le 10 janvier 2011. John et Michaela ont pris leur petit déjeuner à l'hôtel. Puis, John ensuite est allé faire un tour sur le terrain de golf, tandis que Michaela, elle a pris un bain de soleil et elle a fait aussi un petit plongeon dans la piscine. Puis, quand John est rentré, eh bien, ils se sont retrouvés pour déjeuner. Après le déjeuner, ils décident de prendre un thé et Michaela se rappelle avoir apporté des biscuits avec elle. C'est des biscuits qu'elle aime manger tout le temps avec son thé. Donc, elle monte les chercher dans leur chambre d'hôtel pour accompagner sa tasse de thé. Il est alors 14h44. John, lui, reste en bas, il prend quelques photos, il regarde quelques vidéos en attendant le retour de sa femme. Mais 15 minutes plus tard, vers 15h, John trouve qu'elle met bien longtemps à redescendre alors que l'aller-retour est censé être rapide puisqu'il déjeune dans l'hôtel où il réside, il n'y a vraiment que quelques pas à faire. John paye alors la note du déjeuner et décide ensuite de monter dans leur chambre pour la retrouver. Mais il a oublié sa clé-carte magnétique dans une poche d'un de ses vêtements dans la chambre. Alors il toque à la porte mais Michaela ne répond pas. Alors, sans réponse, il se dirige vers la réception de l'hôtel pour que quelqu'un lui ouvre la porte, car la porte ne s'ouvre donc pas avec une simple clé, mais avec une carte magnétique. C'est un réceptionniste qui l'accompagne donc et lui ouvre la porte. Il est environ un peu plus de 15 heures. Ils entrent alors dans la chambre et malheureusement, c'est là qu'ils font la macabre découverte. Le corps de Michaela est dans la baignoire avec le robinet ouvert. De l'eau coule encore. Elle est déjà froide et ses lèvres sont bleues. John remarque aussi des marques sur son cou. John se précipite alors, il la retire aussitôt de l'eau, puis il crie à l'aide. Il tente alors de la réanimer, mais malheureusement, il est trop tard. Les enquêteurs sont aussitôt appelés et viennent sur les lieux du drame. Et John, lui, il est vraiment, vraiment dévasté. Il contacte même les urgences plusieurs fois de suite pour s'assurer, pour demander où est l'ambulance. Puis, une fois sur les lieux, eh bien, les enquêteurs ne peuvent que confirmer le décès de Michaela. Donc, Michaela est malheureusement morte 12 jours seulement après son mariage.
Et très rapidement, eh bien, les enquêteurs affirment tout de suite qu'il s'agit d'un meurtre. Car malgré le fait que le corps de Michaela était dans une baignoire avec le robinet ouvert, et donc il aurait pu éventuellement s'agir d'un suicide, eh bien la pièce est en désordre. Donc ça signifie qu'elle n'était pas seule dans la chambre quand elle y a pénétré. Donc ce qui amène alors les enquêteurs à supposer qu'il s'agit davantage d'un meurtre plutôt qu'un suicide. Et d'ailleurs c'est ce qui a été aussi confirmé par l'autopsie qui a été réalisée le jour même. Autopsie qui a été pratiquée par le docteur S.K. Gungadin. Bon, je suis désolée, je risque d'écorcher beaucoup de noms dans cette vidéo. En tout cas, le médecin légiste rapporte la présence de plusieurs écorchures, de contusions, d'abrasions et d'ecchymoses sur son corps, sur sa tête et autour du cou. Il précise alors que la cause du décès est une asphyxie, ce qui veut donc dire que Michaela a été étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps porte aussi des traces de lutte, il a été relevé des morceaux de peau morte sous ses ongles, prouvant donc qu'elle a tenté de repousser son ou ses agresseurs. Donc Michaela est morte après une violente lutte et suite à un étranglement. Et pour en revenir à la scène de crime, la pièce ayant été retrouvée en désordre, eh bien il est fort probable qu'il s'agisse d'un vol qui a mal tourné. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas de caméra de vidéo de surveillance dans le couloir devant sa chambre pour contrôler et vérifier alors les allées et venues. Cependant, un premier scénario est déjà déterminé. Et le scénario alors le plus plausible est qu'un ou plusieurs voleurs se sont alors introduits dans la chambre pour la cambrioler, mais que Michaela est arrivée au même moment pour prendre alors ses fameux biscuits et donc elle les a surpris. Alors ils se sont précipités sur elle, l'ont jetée au sol, puis l'ont asphyxiée en lui mettant un sac en plastique sur la tête et l'ont étranglée. Et puis par la suite, l'assassin ou les assassins ont placé le corps de Michaela dans la baignoire et ont laissé couler l'eau pour tenter de faire passer sa mort pour un suicide. Donc ça, c'est la théorie. Et sur la scène de crime, à savoir aussi que la police mauricienne n'a pas jugé bon de bloquer l'hôtel, c'est-à-dire que la scène n'a pas été correctement sécurisée. Donc le personnel, les autres touristes, les autres clients de l'hôtel, etc., eh bien ils ont pu continuer à circuler librement. Et donc le manque de sécurisation a pu entre autres attirer le regard de clients curieux, mais surtout et particulièrement, eh bien la scène de crime risquait par la même occasion d'être contaminée. Et la police n'a pas non plus interrogé tous les clients qui étaient présents dans l'hôtel à l'heure du drame. Et le meurtre de Michaela a été une affaire très médiatisée sur l'île Maurice, et c'était même le tout premier meurtre d'un touriste sur l'île. Et comme ce pays dépend fortement du tourisme, eh bien il était urgent de résoudre l'affaire au plus vite. Et vous verrez que l'affaire sera résolue en une journée. En tout cas, le premier suspecté fut son mari John. Il a été menotté, emmené et détenu pendant 5 heures. La police a examiné son corps à la recherche de coups, de traces ou d'ecchymoses. Et selon la déclaration qu'il fera plus tard, eh bien John dira qu'il a été brutalisé par la police. Il déclarera aussi que peu de temps après la découverte du corps de sa femme, un officier lui a demandé « Pourquoi pleures-tu? Tu es encore jeune, tu peux chercher une autre femme ?» Quelle délicatesse! Mais il est peu probable que John soit le coupable. Il a vraiment été dévasté en découvrant le corps de sa femme. Il était vraiment dans un état de choc profond et la famille de Michaela, eh bien, ne l'a pas soupçonné une seule seconde. Et puis vous en saurez aussi davantage au fil de l'histoire. Et donc, ce n'est qu'au lendemain du meurtre de Michaela que les premières arrestations ont été effectuées. Le 11 janvier 2011, donc, trois employés de l'hôtel ont été arrêtés en lien avec le meurtre de Michaela. Il s'agit d'Avinash Tribhuvan, 29 ans, de Sandeep Monia, 41 ans, et de Raj Fikoy, 33 ans. Les deux premiers sont accusés de meurtre et le troisième de complot en vue de tuer. Puis le 17 janvier 2011, soit une semaine après l'arrestation des trois premiers suspects, eh bien deux nouvelles personnes sont arrêtées. Il s'agit de deux agents de sécurité de l'hôtel, Dasan Narayanenet et Senrin Mungo. Ils ont eux été arrêtés et accusés d'avoir aidé et encouragé un crime. Au final et en tout, au moins 6 personnes ont été arrêtées dans le cadre du meurtre de Michaela.
Mais cependant, les charges ont été abandonnées pour la plupart des employés, sauf pour les deux principaux suspects, donc c'est-à-dire Avinash et Sandeep. Concernant le troisième homme, Raj Fikoy, eh bien lui, il a été détenu pendant 77 jours avant de voir les charges contre lui abandonnées et d'être libéré. Au sujet des deux agents de sécurité de l'hôtel, donc Dasun et Senrin, eh bien ils ont également été libérés après aussi la levée des charges contre eux. Je vais maintenant rapidement vous parler des funérailles de Michaela avant de reprendre sur l'enquête. 4 jours après le drame, le 14 janvier 2011, le corps de Michaela est rapatrié de l'île Maurice en Irlande, donc chez elle. Et c'est le 17 janvier 2011 qu'une veillée irlandaise traditionnelle et donc ses funérailles ont lieu, durant lesquelles des milliers de personnes se sont réunies et ses funérailles se tiennent dans la même église où elle s'est mariée donc un mois plus tôt. Et d'ailleurs, les fleurs du mariage étaient toujours présentes dans l'église. Michaela est aussi enterrée vêtue de sa robe de mariée. Et des personnalités publiques étaient également présentes lors de ses funérailles, notamment l'ancienne présidente de l'Irlande, Mary McAleese, ainsi que l'ancien premier ministre, donc Peter Robinson, et l'ancien vice-premier ministre, Martin McGuinness. Maintenant, pour en revenir à l'enquête, eh bien, de l'ADN a été prélevé sur tous les suspects et sur la scène de crime. Et c'est le 15 mars 2011 que la scientifique médico-légale Suzanne Woodruff commence son examen des ADN retrouvés sur la scène, retrouvés sous les ongles de Michaela, provenant des marques de sang, provenant de son cou, etc. Et à la suite de cet examen, Suzanne déclare qu'aucune correspondance n'a été trouvée avec le premier suspect Avinash. Mais une correspondance potentielle avec Sandeep Monia a été trouvée à la fois sur une carte clé magnétique de la chambre et sur une des armoires de la chambre. Mais on parle de correspondance potentielle, donc ce n'est qu'une éventualité, il n'y a aucune certitude. D'autant plus quand on sait que la police n'a pas pris toutes les précautions pour protéger la scène de crime et empêcher alors la contamination de la scène. Et concernant l'ADN prélevé sur le cou de Michaela, eh bien il n'a rien révélé. Et un haut de bikini appartenant à Michaela et qui portait également des traces de sang n'a pas été envoyé bizarrement à la médecin légiste pour y être examiné. D'ailleurs, plusieurs autres empreintes ont été trouvées dans la chambre mais n'ont pas été identifiées non plus. En tout cas, pour le moment, donc, il n'y a pas de preuves contre les principaux suspects, pas d'aveu, pas de preuves, pas d'ADN non plus, même si la médecin légiste a admis que les empreintes ADN sur le corps de Michaela ont pu disparaître au contact de l'eau. Donc même s'il n'y a pas d'empreintes d'Avinash et Sandeep, eh bien ça ne fait pas d'eux pour autant des innocents. Surtout qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par exemple, pour les enquêteurs, eh bien, seule une personne ayant une carte clé magnétique a pu accéder à la chambre. Donc, c'est-à-dire peu de personnes, Michaela, son mari et quelques employés de l'hôtel. Et dans l'hôtel, il existe 3 cartes clés magnétiques pouvant déverrouiller toutes les portes des chambres de l'hôtel. Et aussi, lors de l'enquête et d'après les données de la serrure électronique de la chambre 1025, eh bien quelqu'un a pénétré dans la chambre de Michaela et John à 14h42. Donc, soit 2 minutes avant l'entrée de Michaela à 14h44. Et enfin, l'élément le plus important dans cette enquête, l'élément qui a tout bonnement fait basculer l'enquête, eh bien c'est le témoignage de l'un des anciens suspects, Raj Fikoy. Raj avait donc été disculpé de toutes les charges. Pourquoi ? Car il avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Il a donc témoigné pour pouvoir être disculpé. En tout cas, Raj Fikoy a déclaré qu'il passait dans le couloir et se trouvait à l'extérieur de la chambre lorsqu'il a entendu les bruits d'une femme qui souffrait, selon ses dires. Puis il a vu Avinash et Sandeep sortir de la chambre. Il s'est alors approché d'eux pour leur demander ce qui se passait et ils lui ont répondu qu'il ne se passait rien, qu'il devait rester silencieux et que s'il disait quoi que ce soit, eh bien il serait impliqué avec eux. Donc, d'après cette déclaration, Avinash et Sandeep sont bien les coupables du meurtre de Michaela.
Et donc, d'après ces éléments, d'après le témoignage et toutes les conclusions de l'enquête, voici ce qu'il s'est produit. Les deux employés, Avinash et Sandeep, sont donc entrés dans la chambre de John et Michaela à 14h42 pour les voler. Puis seulement 2 minutes après, Michaela est arrivée et elle est entrée dans sa chambre pour récupérer donc les fameux biscuits. Elle les aurait donc surpris en train de fouiller dans son sac à main. Alors face à face, les voleurs pris en flagrant délit ont violemment attaqué Michaela et l'ont étranglée à mort. Puis ils ont déplacé et mis son corps dans la baignoire et ont laissé couler l'eau pour faire croire qu'elle s'était suicidée. Le 22 mai 2012 a débuté le procès d'Avinash et Sandeep à la Cour suprême de l'île Maurice. Ils ont tous les deux plaidé non coupables du meurtre de Michaela. Ils risquent chacun jusqu'à 45 ans de prison. Le 6 juin 2012, donc lors du procès, John McAreevy a témoigné devant le tribunal. Il a d'abord souligné comment les policiers l'avaient brutalisé après la découverte du corps de sa femme. Il a aussi répété la fameuse question déplacée d'un des officiers, donc la question où l'officier demande « Pourquoi tu pleures? T'es encore jeune, tu peux aller chercher une autre femme ». John a également déclaré que le jour du décès de sa femme, il avait vu l'un des accusés, Avinash, en l'occurrence, à 2 reprises en l'espace de quelques minutes. Concernant maintenant Raj Fikoy, eh bien lui, il a donc témoigné pour l'accusation et donc contre ses anciens collègues. C'est le témoin clé de l'accusation. Et donc Raj a déclaré qu'il passait donc dans le couloir lorsqu'il a entendu les bruits d'une femme qui crie, qui souffre, puis qu'il a vu ensuite Avinash et Sandeep sortir de la chambre. Puis vient ensuite le témoignage d'un des agents de sécurité, Dasson. Dasson a aussi témoigné et a avoué et déclaré que c'était lui qui avait donné la fameuse carte clé magnétique passe-partout à Avinash et Sandeep. Ensuite, l'accusation a donc soutenu que lorsque Michaela est retournée dans sa chambre, ce jour-là, donc le 10 janvier, elle s'est retrouvée face à un cambriolage lors duquel donc Avinash et Sandeep étaient en train de voler de l'argent dans son sac à main. Donc l'accusation a déclaré qu'ils ont étranglé Michaela pour qu'elle ne puisse pas les identifier ni les dénoncer et ainsi pour qu'ils ne puissent pas perdre leur emploi. Puis, toujours au cours du procès, il a été dit qu'Avinash aurait avoué à la police que Michaela les avait pris en flagrant délit en train de voler dans sa chambre. Donc Avinash lui-même finalement aurait admis. Quant à la défense maintenant, eh bien celle-ci a soutenu qu'Avinash et Sandeep avaient été piégés et qu'ils étaient tous les deux innocents. Selon eux, l'enquête de la police a tout simplement été bâclée. Pour cela, la défense a fait valoir qu'un certain nombre de tests, de vérifications de base n'avaient pas été effectués dans la chambre, qu'un certain nombre d'objets qui auraient dû être examinés ne l'avaient pas été non plus, dont le fameux sac à main dans lequel les accusés auraient apparemment volé. Eh bien, il n'a pas non plus fait l'objet d'une prise d'empreinte digitale ni de tests ADN pour pouvoir les disculper. La défense a aussi fait valoir que l'hôtel n'avait pas été fermé et que la scène n'avait pas été sécurisée et donc par conséquent des preuves avaient été compromises. Ensuite, un certain nombre d'objets que la défense considérait comme pertinents eh bien n'ont pas non plus été photographiés. La défense a ensuite déclaré que les personnes séjournant dans les chambres voisines de celles de Michaela et John eh bien, n'avaient pas été interrogées ni entendues par la police. Un officier de police a d'ailleurs confirmé ses dires, donc que tous les clients qui séjournaient à proximité de la chambre 1025 n'ont pas été interrogés. Donc par tous ces faits, par tous ces éléments, la défense prouve que l'enquête de police a été bâclée. Ensuite, la défense a fait valoir qu'aucune trace ADN appartenant à Avinash et à Sandeep, ni d'ailleurs aux 4 autres suspects, n'avait été retrouvée sur les lieux ni sur le corps de Michaela, qu'il n'y avait aucune correspondance, que les seuls ADN retrouvés sur les lieux sont ceux de Michaela et de son mari, John. Mais bon, d'après un article, les empreintes de Dasson auraient tout de même été retrouvées sur une serviette dans la chambre. Mais il a été disculpé car il aurait donné en fait une bonne explication à ça. Son explication est qu'il a déclaré avoir été présent dans la chambre avec le mari John lors de la découverte du corps et qu'il aurait tenu la fameuse serviette pour aider John à sortir Michaela de la baignoire. Donc ça, c'est son explication pour son ADN retrouvé sur la serviette.
Et enfin, la défense a fait valoir ensuite que les aveux de l'agent de sécurité Dassen n'avaient été obtenus que sous la contrainte. D'ailleurs, Dassen est revenu sur ses aveux où précédemment il avait affirmé avoir donné la fameuse carte-clé magnétique à Avinash et Sandeep. Il a affirmé avoir été forcé à faire des aveux à la police. Bon, évidemment, la police a nié avoir forcé ses aveux. Mais aussi, en ce qui concerne ensuite les aveux d'Avinash, eh bien lui aussi s'est également rétracté et il a aussi affirmé avoir été forcé à faire des aveux à cause de la brutalité de la police. La défense a affirmé qu'il avait été frappé par la police durant 3 jours et forcé donc de faire des aveux à cause des tortures qu'il avait endurées. Avinash a d'ailleurs précisé que la torture incluait la torture par l'eau qui lui avait d'ailleurs fait vomir du sang et il a aussi souligné que la police l'avait menacé d'expulser sa femme de l'île. Pour la défense, affirmer que les aveux de leurs clients ont été obtenus sous la contrainte, eh bien c'était un atout pour eux. Même si 3 médecins, par la suite, qui ont examiné Avinash lors du drame, ont témoigné et ont confirmé que les allégations de brutalité policière étaient infondées. Puis, par la suite, toujours au cours du procès, eh bien, une personne du nom de Govindan Saminadhan est venue témoigner. Govindan était préposé aux chambres à l'hôtel Légende et il a affirmé qu'il avait également été contraint par la police à faire une fausse déclaration. Il a alors déclaré à la cour qu'il se trouvait avec Sandeep dans la chambre 1009 lorsque Mikaela a été assassinée. Ils étaient alors à deux dans cette chambre entre 14h40 et 15h. Govindan a dit que Sandeep était resté avec lui durant toute cette période. Donc, selon ses déclarations, c'est impossible que Sandeep a tué Mikaela. Sauf qu'à un moment, les avocats de Sandeep ont, eux, affirmé qu'il était au téléphone avec sa sœur au moment du drame. Donc là, on est clairement face à 2 déclarations différentes. À un moment, Sandeep est au téléphone avec sa sœur, puis à un autre moment, il est dans la chambre 1009 avec un de ses collègues. Et à propos de la déclaration où Sandeep aurait été avec sa sœur au téléphone, eh bien cette déclaration n'est pas non plus cohérente, tout simplement car ils ont fourni cette explication 18 mois après le meurtre. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pourquoi ne pas avoir fait cette déclaration à l'époque? Et enfin, pour en terminer avec ce procès, la défense a indiqué que John aurait pu être impliqué. La défense, pour cela, a alors fait visionner à la cour une séquence de vidéosurveillance qui, selon eux, montrait John et Mikaela en train de se disputer à la réception de l'hôtel peu avant le meurtre. Mais il a rapidement été confirmé par la suite que sur cette vidéo, il ne s'agissait pas de John et de Mikaela, mais d'un couple de vacanciers allemands. Ensuite, la défense, toujours dans le but de blâmer John, a fait référence à un magazine sexuel qui a été retrouvé dans leur chambre d'hôtel. Bon, il est assez difficile de dire là où la défense voulait en venir avec ça, mais il est évident que les avocats de la défense voulaient accuser John du crime et faire passer ça pour un crime à motivation sexuelle. Apparemment, ce magazine évoquait le sadomasochisme. Sauf qu'il s'est avéré que le fameux magazine était un magazine féminin cosmopolitan acheté par Mikaela à l'aéroport et qu'il n'y avait qu'un bref passage à connotation sexuelle. Donc, nouveau élément de la défense qui tombe à l'eau. Puis la défense, à un moment, a aussi suggéré que John avait pu tuer sa femme avec une ceinture qui lui appartenait et qui se trouvait dans leur chambre. Mais un médecin a témoigné et a déclaré qu'il était sûr à 100% qu'une ceinture n'a jamais été utilisée dans le meurtre de Mikaela. Ce n'est pas compatible aux traces retrouvées sur son cou. Donc là, toutes les théories de la défense contre John, eh bien, elles ne sont pas fondées. Malgré tout, la défense est vraiment prête à tout pour l'accabler du meurtre de sa femme. Le procès, qui devait durer 2 semaines seulement, a finalement duré presque 8 semaines au total. Et à la fin du procès, le 12 juillet 2012, après seulement 2 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime. Avinash et Sandeep ont été déclarés non coupables par les 9 membres du jury. Ils ont été acquittés de toutes les charges. La famille de Mikaela, forcément, a été dévastée par le verdict.
Je vais maintenant vous retracer la chronologie des faits qui a eu lieu après le procès, après le verdict, donc de 2012 à juin 2022. Il y a pas mal de dates, pas mal d'éléments à dire. Tout d'abord, à la suite de cette affaire, des Irlandais ont lancé une campagne sur Internet appelant au boycott du secteur touristique mauricien, l'un des principaux piliers de l'économie de l'île. Même le politicien irlandais Sean Kelly a soutenu la campagne en déclarant qu'aucun Irlandais ne devait se rendre à Maurice jusqu'à ce que justice soit rendue. Bon, certains cependant ont soutenu que l'ensemble de la population mauricienne ne devrait pas être blâmée pour les erreurs de quelques personnes. Sauf que les appels au boycott se sont intensifiés suite aux événements du 15 juillet 2012. Le 15 juillet 2012, un nouveau journal mauricien appelé Sunday Times a publié une douzaine de photographies de la scène du crime, mais aussi des images du corps de Michaela. La première page comportait une photographie du corps de Michaela sous le titre exclusif. Et le gouvernement irlandais a déposé une plainte auprès du gouvernement mauricien. Et c'est le lendemain de la publication des photographies que des policiers ont fait une descente dans les bureaux du journal Sunday Times et le rédacteur en chef Imran Hossani a été arrêté et accusé d'outrage à la morale publique et religieuse. Il a été libéré sous caution près d'un an plus tard, le 29 mai 2013. Et le USEP, donc le syndicat des employés de la presse à Maurice, a publié une déclaration en faveur du rédacteur en chef, donc Imran Hossani. Voici ce qu'il a été dit. La presse locale et les agences de presse internationales montrent régulièrement des images de meurtres, de manifestants ensanglantés, de cadavres de personnes tuées ou blessées dans les zones de conflit, entre autres. L'USEP considère que le traitement subi par le rédacteur en chef du Sunday Times aux mains de la police mauricienne est disproportionné par rapport aux infractions reprochées. Bon, il a pas tort, mais c'est surtout que la famille avait déjà du mal à se remettre du verdict du procès, et voilà maintenant qu'elle devait supporter que le corps sans vie de Michaela soit exposé en première page d'un magazine mauricien. Puis nous voilà en août 2012, lorsqu'une nouvelle équipe d'enquêteurs relance l'enquête. 38 personnes ont alors été interrogées, 68 témoins ont participé à une reconstitution des faits le jour du meurtre, et 350 échantillons d'ADN ont également été envoyés à un laboratoire en France. Mais rien n'a été trouvé. Puis c'est le 27 décembre 2012 que la police soumet un rapport au directeur des poursuites publiques dans lequel un suspect est désigné dans le meurtre de Michaela. J'en sais pas plus, je ne sais pas de quel suspect il s'agit, ça n'a pas été rendu public. Puis nous voilà en 2013, John McAreevy rencontre une nouvelle femme lors d'une soirée à Dublin. C'est une femme du nom de Tara Brennan. Nous voilà maintenant en 2014, le 12 septembre 2014 exactement. Il y a une avancée majeure dans l'enquête lorsque l'ADN prélevé sur les vêtements de Michaela correspond à celui des tueurs présumés. Normalement, cette nouvelle preuve aurait dû relancer un nouveau procès, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous voilà maintenant en août 2015, John et les proches de Michaela auraient reçu environ 1,6 million de livres sterling, équivalent à peu près à 2 millions d'euros, après avoir déposé une plainte contre le Legend Hotel. Et tout cet argent aurait été reversé à la fondation Michaela. Le 31 octobre 2015, John et Tara Brennan révèlent qu'ils sont fiancés. Et la famille de Michaela donne sa bénédiction à John. Le 24 septembre 2016, John et Tara se marient et se rendent en Espagne pour un voyage dans le cadre de leur lune de miel. En 2016, donc 5 ans après le drame, l'affaire de meurtre est réexaminée par le directeur des poursuites publiques de Maurice qui conclut que malheureusement il n'existe pas de motif pour engager des poursuites et ainsi entamer un nouveau procès. Nous voilà le 1er avril 2017, John, qui n'a donc pas arrêté son combat pour rendre justice à Michaela, se rend alors à l'île Maurice avec la sœur et le frère de Michaela pour préparer une conférence de presse et exhorter le public à les aider à obtenir justice. John est déterminé à obtenir l'ouverture d'un nouveau procès.
D'ailleurs, des changements de loi à ce moment-là ont eu lieu à l'île Maurice, donc il espère aussi que celles-ci pourront alors l'aider à obtenir ce nouveau procès. Et c'est le lendemain de cette conférence de presse, donc le 2 avril 2017, qu'un numéro de téléphone est mis en place sur l'île afin que les habitants puissent transmettre des informations sur le meurtre de Michaela. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Puis, 3 ans plus tard, en juin 2020, le gouvernement mauricien a accepté de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Michaela. Mais c'est seulement 2 mois plus tard, donc en août 2020, que selon les autorités, aucune nouvelle preuve n'a été trouvée justifiant alors une réouverture de l'affaire ni un nouveau procès. Donc l'enquête a aussitôt été clôturée. Mais un an plus tard, en juin 2021, le gouvernement mauricien a apparemment accepté finalement de revoir à nouveau l'enquête sur le meurtre de Michaela. Puis, toujours en 2021, cette fois en octobre, un témoin du procès a été retrouvé mort. Le 3 octobre 2021, le corps de l'ex-employé de l'hôtel, Raj Fikoy, a été retrouvé mort sur un terrain vague près de son domicile. C'était le témoin clé dans le procès. La police ne soupçonne pas d'acte criminel. Selon elle, il s'agirait d'un suicide par pendaison. John, à la suite de cette découverte, a déclaré malgré tout qu'il continuerait à se battre pour la justice. Nous voilà maintenant en 2022. Le 29 mars 2022, l'ancien agent de sécurité Dawson, alors âgé de 39 ans, a été arrêté après que de nouvelles preuves ont été trouvées. Bon, les nouvelles preuves n'ont pas été rendues publiques, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. En tout cas, il a été arrêté. Puis le mois suivant, en avril 2022, les avocats de la défense ont déclaré que John devait être considéré comme le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de sa femme. Ils ont déclaré alors qu'ils prévoyaient de lancer un mandat d'arrêt contre lui pour permettre un interrogatoire supplémentaire. Et enfin, plus tôt ce mois-ci, donc le 3 juin 2022, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux montrant un groupe de loyalistes censés assister à une célébration du centenaire de l'Irlande du Nord, riant, applaudissant et chantant une chanson qui se moquait de la mort de Michaela. La vidéo en question a été tournée dans une pièce décorée de drapeaux syndicaux et de peintures de l'ordre d'orange. Cette vidéo a été condamnée par les politiciens d'Irlande du Nord et qualifiée de sectaire. Par la suite, 3 des hommes qui étaient apparus dans la vidéo, Andrew McDade, John Bell et Richie Betty, ont présenté des excuses. D'ailleurs, l'un des 3 hommes, John Bell, a été licencié de son entreprise, de son travail avec effet immédiat. Son entreprise a déclaré ne pas tolérer un tel comportement. Voici les fameuses paroles de la chanson. Attention, elles sont choquantes. Maintenant terminé pour cette affaire, personne n'a jamais été condamné pour le meurtre de Michaela. Et la police mauricienne a par la suite été vivement critiquée pour la gestion de l'affaire. Sa famille s'est battue et elle a beaucoup subi et subit encore entre un procès éprouvant, les supposés coupables en liberté, une enquête fermée, ouverte, une chanson choquante, un témoin mort, une vérité difficile à trouver, etc. Malgré tout, la famille et John aussi continuent à se battre chaque jour pour obtenir la vérité et la justice. En tout cas, je pense qu'il y aura prochainement du nouveau dans cette affaire. Concernant le lieu du drame, l'hôtel Légende a été reconstruit, rénové et renommé. Et il continue aujourd'hui d'être un hôtel florissant. Il s'appelle désormais Hôtel Luxe. La chambre 1025 où Michaela a été tuée a été vidée, refaite et renumérotée. Et ce sont mes derniers mots sur cette affaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette terrible affaire en commentaire. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.